Et bonjour, bonsoir à toutes et à toutes. Ici Monsieur Marié pour ce cinquième cours de physique chimie, du coup qui s'intéresse à la conservation des aliments. C'est le deuxième chapitre de la deuxième partie Noir à l'humanité que vous avez au programme de première ES et de première L, dans le cadre du baccalauréat, tout simplement, les épreuves anticipées de première. On va mettre une petite musique libre de droit et je vous rappelle que ce cours du coup est destiné à tous les absents qui étaient avec moi en première ES ou en première L, mais aussi à toutes les personnes qui voudraient soit réviser la physique chimie dans le lycée ou même en dehors. Voilà. Donc du coup, mettre une petite musique et on est parti. Voilà, elle s'est lancée, avec un peu de mal, mais elle s'est lancée. Du coup, c'est parti pour ce chapitre 2, conservation des aliments. Première petite activité, voilà, vous allez devoir me dire si la pomme, comment se trouve la pomme dans les deux états, et surtout, quel est le gaz responsable en fait de cette transformation qui a eu de la pomme entre le moment où vous la découpez et le moment où vous la retrouvez ici en photographie. Voilà, donc du coup, mettez sur pause et essayez d'y répondre. Du coup, tout simplement, la réponse est que la pomme, en fait, dans l'air, subit une transformation. Vous voyez bien que la pomme, elle est beaucoup moins alléchante à manger. Alors que dans le diazote, en fait, cette transformation n'a pas lieu. Ça veut dire que, premièrement, déjà, on observe que la pomme dans l'air, en fait, subit une transformation chimique, elle ne subit pas dans le diazote. Conclusion, forcément, c'est le dioxygène qui va être responsable de cette transformation chimique. La transformation chimique, en fait, elle est appelée oxydation. C'est l'effet, si vous voulez, que l'oxygène, le dioxygène précisément, vienne en fait réagir avec un aliment afin de le transformer. Et en fait, oxygène, oxydation, ça devient la même racine, c'est l'action du dioxygène en fait sur un aliment. Et on l'appelle comme ça. Deuxième activité. Donc là aussi, vous allez mettre sur pause juste après mon énoncé. La pomme a été trempée dans le jus de citron avant d'être laissée à l'air libre. Qu'observez-vous? Et que concluez-vous? Sur le même modèle, en fait, vous allez devoir répondre à cette question comme je viens de faire juste avant. Voilà, je vous laisse mettre sur pause et maintenant répondez-y. Du coup, la réponse, c'est que si vous laissez la pomme dans l'air sans citron, en fait, vous allez avoir encore la même transformation qui s'opère. C'est-à-dire que là, vous avez le dioxygène, en fait, qui va venir oxyder la pomme et la rendre totalement brune. Par contre, dans le jus de citron, quand elle a été trempée au préalable, dans le jus de citron, vous avez une pomme qui a l'air vachement alléchante et qui a l'air toute fraîche. Par contre, on va aller un peu plus loin. Le citron, c'est un mélange de plusieurs constituants. Du coup, je voudrais savoir lequel d'entre eux est vraiment, en fait, pardon, est vraiment responsable de cette protection. Donc du coup, là, je l'ai trempé dans le jus de citron, mais j'ai trempé aussi dans chacun de ses constituants, bien séparés, bien mis à part. Donc dans le premier, je l'ai mis dans l'eau, dans le sucre, dans l'acide citrique et dans l'acide ascorbique. Du coup, je vous demande quel est le constituant ou les constituants qui permettent cette protection et de rédiger la méthode suivie en fait pour trouver ce constituant, responsable de cette protection. Allez, c'est parti. Du coup, la solution, c'est que vous allez regarder, vous allez observer chacune des pommes qui sont ici présentes. Dans l'eau, par exemple, vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose qui a été agi, enfin, qui a, vous avez pas mal d'actions qui a été faites dessus. C'est pas top quoi, je veux dire, la pomme elle a quand même souffert, elle est... Moi je la mangerai pas perso. Dans le sucre c'est pas top, mais c'est un poil mieux. Dans l'acide citrique c'est pareil, c'est pas top, mais c'est un poil mieux quand même. Par contre dans l'acide ascorbique, on voit qu'il y a une belle protection qui a été faite. L'acide ascorbique est vraiment le constituant qui permet la protection, on le voit rien qu'en observant les différentes pommes. Hein. Voilà comment du coup vous faites pour retrouver le constituant qui permet la protection. Maintenant, pour rédiger la méthode, ça c'est un petit effort de rédaction que je vous demande de faire en vue des commentaires composés qu'on va devoir faire dans votre épreuve de bac. Vous allez juste dire que vis-à-vis des 4 morceaux de pommes plongés dans chacun des 4 constituants, vous voyez qu'il n'y a qu'une seule pomme qui a été conservée et que donc l'acide ascorbique est le seul constituant qui permet la protection de la pomme vis-à-vis de l'oxydation, vis-à-vis de l'action du dioxygène de l'air. L'acide ascorbique, c'est aussi appelé vitamine C. Voilà, c'est le petit nom qu'on lui a donné en science. Ou plutôt, la vitamine C, c'est le petit nom qu'on lui a donné dans le jargon de tous les jours afin de reconnaître plus facilement. Aller chez le toubib ou aller au pharmacien pour demander de l'acide ascorbique, ça passe pas trop bien. Ou alors, vous passez pour un chimiste ou quelqu'un d'intelligent ou quelqu'un qui se la pète. Par contre, vitamine C, tout le monde le comprend. Alors, du coup, la vitamine C, en fait, elle va agir comme un film protecteur. Elle va recouvrir votre pomme. Et en fait, chaque petite molécule d'oxygène qui va venir va réagir prioritairement avec l'acide ascorbique, la vitamine C. Au lieu d'attaquer la pomme directement, c'est un petit peu comme si,
Bah, c'est un petit peu comme si vous aviez un film protecteur autour de vous. Voilà, il va se désagréger au fur et à mesure du temps. Les molécules de vitamine C vont se désagréger. Mais tant qu'il y aura de la vitamine C dessus, elle va faire office de bouclier, si vous voulez. Donc, du coup, cette vitamine C en fait va réagir avec le dioxygène de l'air, qui ne peut donc plus réagir avec les enzymes de la pomme. Bah, forcément, si votre dioxygène de l'air va être consommé dans la réaction de la vitamine C, et qu'il y a assez de vitamine C, bah, du coup, il n'y aura au bout d'un moment plus d'air, plus de dioxygène, pardon, pour permettre l'oxydation. La vitamine C porte le code E300. C'est un antioxydant très utilisé comme additif alimentaire, appelé conservateur. Donc quand on vous dit, ouais, machin, c'est yoplé, hein, trop bien sans conservateur. Ouais, en fait, conservateur, c'est pas forcément mauvais, voilà. L'acide ascorbique, la vitamine C, c'est très bon comme molécule pour vous. Vous en avez besoin, en fait, de la vitamine C. Et c'est un conservateur qu'on peut rajouter dans quelque chose, dans un aliment. Et c'est très bon pour cet aliment. Et un antioxydant, en fait, ça vous permet, vous, de ne pas être oxydé. C'est ce qui est vachement bien. Ça sert pour la protection des cellules, ça sert pour la protection de pas mal de choses. Enfin, je ne sais pas exactement comment ça se passe dans le métabolisme, mais c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. On va juste faire une petite parenthèse sur la vitamine C. La vitamine C, si vous voulez retenir acide ascorbique pour les commentaires composés, voici un petit moyen mnémotechnique en fait pour le retenir. Ascorbique. Scorbique, en fait, scorbique, c'est du coup l'adjectif que vous pouvez avoir. Et A, en fait, devant, ça veut dire... voilà. C'est le contraire, en fait. Vous avez normal et anormal. Bah, en fait, normal, c'est normal. Et anormal, c'est le contraire. Bah, en fait, scorbique et ascorbique, bah, vous avez scorbique et le contraire. Ouais, mais où est-ce qu'il veut en venir, monsieur Marié? J'arrive. En fait, les pirates et les... comment ça s'appelle? Les navigateurs, les corsaires, tout ce qui prenait la mer, en fait, dans les bateaux en bois à l'époque de la Renaissance ou même un peu plus tard, en fait, ces équipages souffraient beaucoup d'une maladie qu'on appelait le scorbut. Le scorbut, en fait, c'est un manque d'acide ascorbique. Quand vous allez en bateau, par exemple, et vous partez pour les traversées de l'Atlantique, du Pacifique ou n'importe quoi, bah, vous allez pendant très longtemps en mer. Donc, du coup, il faut prendre des aliments qui ne périment pas facilement. Vous prenez des viandes séchées, vous prenez plein de choses qui se conservent très très longtemps. Du coup, les fruits, c'est proscrit, ça pourrit très vite, c'est chiant. Bah, voilà. Mais le problème, c'est que la vitamine C se trouve en principe principalement dans les agrumes. Et ce qui est chiant du coup, c'est que ces équipages manquaient beaucoup de vitamine C et du coup développaient des maladies, surtout des carences en vitamine C qui s'appelait, la maladie de la carence en vitamine C s'appelle le scorbut. Scorbut, scorbique, c'est pareil en fait. Et quand vous prenez de l'acide ascorbique, c'est en fait pour contrer le scorbut. Voilà pourquoi la vitamine C en fait s'appelle l'acide ascorbique. Tout simplement. Voilà pour la petite histoire. Si vous voulez retenir le nom ascorbique, mettez acide devant et vous l'avez retenu. L'effet de la température maintenant, on a vu la protection, on a vu l'effet du dioxygène, maintenant on va prendre l'effet de la température. La température en fait, elle dénature les enzymes de la pomme qui n'est plus oxydable par l'air. Dénaturer ça veut dire perdre l'activité. Forcément en chauffant ou en baissant la température, vous allez avoir une influence sur votre aliment. Maintenant, dans quel sens? Je pense que vous l'avez déjà compris. D'autres réactions chimiques apparaissent lors de la cuisson des aliments, comme la caramélisation, par exemple, c'est la réduction du sucre. Prenez du sucre, mettez dans une casserole, faites juste chauffer, sans rien ajouter, vous allez obtenir du caramel au bout d'un moment. La réaction de Maillard, par exemple, de Parmentier, de Liebig. Bah, en fait, toutes ces marques-là que vous avez, ce sont pas parce que j'ai voulu les caser, je suis sponsorisé, pas du tout. En fait, la réaction de Maillard, de Parmentier, de Liebig sont des vraies réactions qui donnent des saveurs, qui donnent des nouveaux goûts, en fait, des nouvelles odeurs à votre plat. Et c'est pour ça que vous avez un hachis Parmentier, pour ça que vous avez des soupes Liebig. Et c'est pour ça que Maillard, c'est aussi quelque chose dont j'ai oublié la référence. Mais en tous les cas, ces trois choses-là, en fait, permettent l'acquisition de nouveaux goûts, de nouvelles odeurs, qui permettent à un plat d'être beaucoup plus riche. Sinon, normalement, l'effet de la température, vous connaissez. Quand vous augmentez la température, vous allez cuire votre aliment. Vous pouvez le conserver mieux par la cuisson, attention, hein. C'est pas forcément lié comme ça. Mais vous allez, en fait, changer votre aliment. Par contre, dans le cas inverse, quand vous allez baisser la température, en fait, vous allez figer... si vous voulez, votre aliment. Vous allez figer l'activité bactériologique et vous allez aussi empêcher par une fine couche de glace, peut-être, si vous le mettez à surgeler, l'attaque du dioxygène, ou vous mettez sous vide, c'est pareil. Voilà. Dans tous les cas, l'effet de la température, c'est comme dans votre frigo. En général, votre frigo, vous le prenez pour pouvoir conserver vos aliments. Vous mettez vos aliments dedans, vous mettez l'action du froid, en fait. Vous baissez la température et le froid va conserver vos aliments. En général, si c'était le chaud qui conserve les aliments, vous le mettriez plutôt dans le four. Voilà.
et fait de la lumière maintenant. Alors en fait, on va couper deux morceaux de pomme et on va protéger l'un des deux morceaux en fait par un morceau de carton. Bon, qu'on a mis noir pour éviter qu'il y ait total. Voilà, on va dire pour que ça soit bien opaque, qu'il attende toutes les longueurs d'onde. On veut rien qui passe. Et quand on le met sous la lampe UV, en fait, voilà, comme il décrit ici dans l'expérience, un morceau de pomme qui était initialement bon, hein, attention, hein, et l'autre qui est aussi initialement bon, mais que seulement lui va être recouvert par ce morceau de carton qui est opaque et noir. Bah, à la fin de l'expérience, on va enlever le carton, et vous voyez que la première pomme, en fait, a subi une oxydation, et la deuxième n'en a pas subi. Vous avez compris, du coup, bah, la lumière, en fait, les UV surtout, ont une action d'oxydation, une action d'accélération de l'oxydation. Et du coup, ben, si vous conservez les aliments dans le noir, c'est mieux que si vous les conservez à la lumière. C'est pour ça que toutes les choses que vous conservez normalement, que vous achetez dans le commerce, sont sur des emballages cartonnés, qui sont en général opaques. Vous avez très peu de choses sous vide purement transparent, c'est rare. Et en général aussi, c'est pour ça que votre frigo, quand vous fermez la porte, normalement, il y a la lumière qui s'éteint. Je sais pas, vous avez tous déjà fait le délire, en fait, de fermer la porte du frigo jusqu'à temps que la lumière s'éteint, en fait. Ben, en fait, c'est normal qu'elle s'éteigne, la lumière, c'est pour ça qu'on l'a fait. C'est pas pour teaser, en fait, des jeunes enfants, quoi. C'est juste parce qu'une fois que vous avez fermé, et ben, une fois que c'est au froid, on va rajouter la condition d'enlever, le paramètre d'enlever la lumière pour conserver encore plus les aliments qu'il y a dedans. Et c'est pour ça que quand vous ouvrez la porte, du coup l'interrupteur n'est plus actionné et la lumière se rallume pour que vous puissiez voir un petit peu ce que vous piochez dans le frigo. Sinon c'est aléatoire le repas de tous les soirs. Donc du coup on observe bien que la pomme sans protection subit une réaction que l'autre ne subit pas et que la lumière du coup favorise l'oxydation des aliments. Il est préférable de ne pas ranger ses aliments à la lumière. Bah ça c'est normal, vous mangez au frigo et dans le noir, forcément. Elle est bien celle-là. Du coup, bilan. Le processus d'oxydation par le dioxygène présent dans l'air est une transformation chimique qui altère les aliments. Forcément, votre pomme, vous l'avez vu dans plusieurs exemples, elle est plus bonne à manger. Voilà, clairement, elle donne beaucoup moins envie. Ne la mangez pas. Un antioxydant, du coup, c'est une molécule qui réagit avec le dioxygène. C'est une molécule, en fait, qui va venir sur votre aliment, que vous mettez en général sur l'aliment, et qui va agir comme un bouclier contre les molécules d'oxygène qui arrivent pour oxyder l'aliment. En fait, elles vont jouer un petit peu le rôle de bouclier, tout simplement. Voilà, c'est quelque chose qui va réagir à la place de l'aliment. Ça ralentit l'oxydation de l'aliment et peut être utilisé comme conservateur. Attention, par contre, les antioxydants, ça ne permet que de ralentir l'oxydation des aliments. Une fois que la couche protectrice est désagrégée, ben forcément, c'est l'aliment qui va réagir. Et là, vous reprenez le processus normal où vous avez oxydation de la pomme. Tous les codes des antioxydants vont de E300 à E399. Si vous allez à E400 ou à E200, c'est autre chose. Alors l'oxydation est aussi ralentie lorsque les enzymes nécessaires à cette transformation chimique sont altérées par chauffage. C'est le cas avec la stérilisation par exemple. Stérilisation, mais aussi grâce à tout ce qui est UHT pour le lait par exemple, pour les produits laitiers. L'UHT en fait c'est encore plus haut et vous allez en fait enlever tout ce qui est enzymes et aussi bactéries. Ben, qui permettent, ça permet une meilleure conservation de votre lait, votre aliment laitier. Quoi. Elle est accélérée lorsqu'un aliment est soumis à un rayonnement UV. Donc du coup, c'est préférable de le stocker à l'abri de la lumière. Forcément, il y a plein de choses que vous rangez à l'abri de la lumière et c'est entièrement normal. Les transformations chimiques comme l'oxydation des aliments ou les réactions de Maillard, connues pour la pâtisserie pour l'apparition de flaveurs lors de la cuisson des éléments, sont à différencier des transformations physiques dans certains procédés de conservation comme la lyophilisation ou la surgélation. En fait, les réactions de Maillard-Parmentier ou de Liebig, par exemple, c'est quand vous allez changer la structure moléculaire de votre aliment. Et donc, l'apparition d'un nouveau goût, nouvelle saveur, nouvelle couleur. Par exemple, le caramel, vous avez du sucre en poudre à l'origine, qui est bien blanc, bien cristallin, une petite poudre. Et quand vous l'avez chauffé, normalement, ben, c'est quelque chose de très visqueux, très solide, uniforme, et en plus qui est de couleur caramel, enfin marron-brun, quoi. Donc du coup, ouais, vous avez carrément changement de la structure. Par contre, quand c'est transformation physique, vous allez agir que sur un paramètre physique, comme par exemple la température, le nombre de molécules d'eau, etc. Là, c'est vraiment, par contre, vous conservez la même molécule d'aliment. Depuis toujours, en fait, les hommes ont cherché à conserver les aliments le plus longtemps possible en limitant l'oxydation, mais aussi le développement des micro-organismes. En fait, depuis toujours, ça veut dire depuis l'homme préhistorique.
Je vous rappelle qu'à l'époque, on chassait à la lance le mammouth et on cueillait à bout de bras les fruits et tout ce qui s'en suivait, quoi. Au bout d'un moment, je veux dire, il y a bien un homme qui a dû se dire ce matin, franchement, là, j'ai la flemme d'aller chercher des fruits. Ça aurait été trop bien qu'on puisse conserver ceux de la veille, qu'on a laissé pourrir, qui sont en train de moisir là-bas. Ou alors le... Putain, on a perdu 3 mecs hier sur la chasse au mammouth. Genre là, on a bouffé 3 steaks seulement. Il reste toute la carcasse, mais il y a plein de mouches. On s'est fait piquer par du chacal et par des lions. Enfin, j'en sais rien, tu vois. J'invente, hein. Mais ça aurait été bien de l'avoir conservé pour éviter d'en rechasser un nouveau et de perdre encore 3 autres mecs. Voilà d'où est venue l'idée, en fait. Tout simplement. C'est nul du fait que les gens ils devaient être deg au bout d'un moment de retourner à la cueillette ou de retourner à la chasse. Bref. La vitesse de ce développement est liée aux conditions de la conservation, notamment la présence de dioxygène concernant l'oxydation des aliments. Plus vous baissez en fait le taux en dioxygène, et forcément plus vous baissez l'oxydation d'un aliment. Si vous mettez un aliment sous vide, bah forcément il n'y a pas d'oxydation. Mettez, mettez un poulet dans l'espace. Normalement, il pourrira jamais parce qu'il n'y a pas de dioxygène permettant de l'oxyder. Voilà. En fait, il faut qu'il y ait dioxygène. Si vous l'enlevez, c'est gagné. Avec l'essor des techniques, les procédés des conservations sont diversifiés. On peut distinguer les procédés physiques et les procédés chimiques. J'ai déjà commencé à faire une parenthèse dessus, mais on va revenir beaucoup plus en profondeur. Les procédés chimiques, en fait, c'est tout ce qui soit ajoute des espèces qui participent aux réactions chimiques. Soit tout ce qui va altérer en fait la structure moléculaire de votre aliment. Donc en fait, dedans, vous pouvez avoir des molécules qui agissent sur les micro-organismes. Ça s'appelle un additif et ça répond au nom de code E200 quelque chose. Comme par exemple l'anhydride sulfureux qui est codé E220. Attention, anhydride sulfureux, ça sonne mal aux oreilles et c'est fait exprès. C'est un additif que je vous conseille pas, essayez de l'éviter. Dès que vous voyez additif qui s'appelle E220 ou anhydride sulfureux dans votre yaourt, ne mangez pas. Quand elles agissent sur le dioxygène, par contre, ces espèces chimiques, bah ça devient un E300. Et là, par contre, c'est un antioxydant. Donc c'est comme la vitamine C, ça c'est par contre, c'est vachement bon. Les procédés physiques, par contre, c'est quand vous changez d'état physique, quand vous baissez ou augmentez la température, etc. Là, je vous ai remis quand même un schéma pour vous appreniez à nouveau les changements d'état. Parce qu'il y a encore beaucoup de monde qui ne le connaissent pas. Et quand ça tombe au bac et vous perdez les points là-dessus, je trouve ça vachement dommage. Donc souvenez-vous, quand on passe de solide à liquide, c'est une fusion. Quand on passe de liquide à gazeux, c'est une vaporisation. Et quand on revient, du coup, ça porte le nom de l'état d'arrivée. Gazeux, ça devient liquide, donc une liquéfaction. Et liquide, ça devient solide, une solidification. Il y a juste deux trucs de nouveau. C'est entre le gazeux et le solide. Ça s'appelle une sublimation quand on passe de solide à gaz directement. Et ça s'appelle une condensation quand on passe de gaz à solide directement. Parmi les différents moyens de conserver un aliment par procédé physique, on compte par exemple la congélation, qui est basée sur la solidification de l'eau. Mais en fait, quand vous solidifiez l'eau, ben, vous avez un procédé de conservation qui est augmenté. Comment ça marche après, ce n'est pas demandé et ça ne nous intéresse pas. La lyophilisation, ça base sur l'élimination complète de l'eau en fait, grâce à deux changements d'état. Vous allez d'abord congeler, pour passer à l'état solide, et ensuite vous allez le sublimer directement pour le passer à l'état gazeux, et donc du coup l'évaporer. Si vous ne savez pas ce que c'est la lyophilisation, essayez de voir si en boutique, il y a beaucoup de boutiques d'airsoft par exemple, ou des boutiques où ils vendent du matériel militaire, qui sont ouvertes au public. Hein. Vous en avez par exemple, il y en a. Essayez de demander à quoi ça ressemble une ration, s'ils en vendent. Ils en vendent des rations, c'est des rations qui sont lyophilisées du coup, et vous allez voir, ça a une sale tête. Ça donne pas envie de manger. Donc courage à tous ceux qui veulent devenir militaires parmi vous. Là, vous avez un tableau avec tous les procédés, les moyens physiques ou chimiques qui sont référencés. Bien sûr, ils ne sont pas tous à apprendre par cœur. Par contre, si vous pouvez juste retenir, par exemple, tout ce qui est pasteurisation, UHT, stérilisation, en fait, tout ce qui est action sur la température, en haussant la température. Par exemple, sucrage, salage, c'est quand vous allez mettre du sucre ou de l'eau sur un aliment. Déshydratation, congélation, lyophilisation, surgélation, parce qu'on veut changer d'état. Il y a des trucs qui sont quand même assez évidents, quoi. Et en tous les cas, si vous ne l'apprenez pas, c'est pas grave, ça sera redonné dans la forme, sous forme de document le jour J du bac. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve la prochaine fois pour le chapitre 3. Exemple des émulsions, sera beaucoup plus technique au niveau de la chimie. Avant de passer du coup sur la partie qui repasse en physique, mais qui est spécifique à ma matière, du coup, qui ne sera pas partagée par la SVT.
qui s'appellera du coup défi énergétique. Sur ce, merci de m'avoir écouté. Mettez des commentaires si vous avez des questions en bas, j'y répondrai. Ou sinon, si vous êtes du lycée Bristol, bah, bien sûr, venez me voir afin de poser vos questions. J'y répondrai avec un peu plus d'attention, soit au labo, soit en salle des profs. Merci beaucoup. Au revoir.